Toi, t'es allé à la barboteuse? Bonjour. Bonjour. Ouais, merci d'avoir accepté de parler au Montréal africain. Djibi, vous êtes l'un des membres du groupe Les Frères Guissé. Bienvenue à Montréal. Merci. Parlez-nous de votre présence à Montréal. Pourquoi vous êtes venu? Je crois que vous venez juste d'arriver à Montréal. Parlez-nous pour l'objet de votre visite ici à Montréal. Nous venons tout juste d'arriver. Nous avons quitté Dakar, ça fait 10 jours. Et là, on est arrivé à Paris. Là, nous sommes venus pour une petite tournée de quelques 8 dates, je pense bien. Oui. Parce que demain, le 7, on joue à Ottawa. Oui. Et ensuite, on revient ici le 13. Oui. Pour le festival Balbutière. Oui. Balbutière, qui est un jeune festival donc africain, je dirais, okay. Qui est en train de prendre forme. Okay. Et nous aussi, en tant que Sénégalais, en tant qu'Africains, c'est oui. De venir soutenir aussi la culture africaine. Oui. Et le 14, on va à Toronto. Le 20, on est là pour Nuit d'Afrique. Oui. Pour le festival Nuit d'Afrique. Ensuite, on est le 25 au Québec, etc. Le 25, je suis à Montréal. Okay. Et là, c'est une tournée qu'on a ficelée depuis en fait, l'année dernière. Oui. C'est que parce qu'on est resté encore au moins une dizaine d'années avant de revenir sur nos pas vers Montréal, oui. Ça fait 3 ans. Oui. Ça fait 3 ans, c'était avec l'association Dental Football Canada. Exactement. Si c'était bien passé. Oui. Et là, on fait notre bon petit chemin. Ne pas seulement se limiter à Paris, oui. Parce que partout la musique ça se partage, oui. et on entend la chanson qui dit qu'elle n'a pas de frontières, oui. Et aussi nous sommes venus donc partager nos émotions et aussi notre expérience de la vie, oui. Partager avec nos amis et aussi à ces gens qui ne connaissent pas et qui veulent aussi découvrir, oui. Quelque part la musique sénégalaise africaine. Oui, oui Djibi, moi j'ai assisté aussi quand vous étiez ici il y a 3 ans, j'ai assisté au concert de Dental Foulbé. C'était vraiment une musique intense là, vraiment dansante. Expliquez-nous, parce qu'il y a 3 ans qui sont passés, j'imagine que vous allez nous présenter quelque chose d'autre. Qu'est-ce que vous allez présenter lors de vos tournées ici à Montréal? Vous savez, comme vous l'avez dit, c'était quelque chose de très mouvementé. Oui. Parce que les frères Guissé, les gens connaissent les frères Guissé par effectivement la poste est un peu soft, mais c'est pas tout le temps qu'on fait. Oui. Parce que nous jouons en fonction du public. Oui. Nous avions eu un public très sénégalais, oui. et raison pour laquelle nous nous sommes dit qu'il fallait un peu chauffer, que oui. Les gens découvrent une autre facette en fait des frères Guissé. Oui. Parce que vous savez, les percussions ou bien le rythme est africain. Oui. Ouais. C'est pourquoi on a tendance à dire que l'Africain écoute par les pieds. Oui. La musique. Et nous aussi, quelque part, d'autre part, nous invitons les gens à nous écouter aussi par les oreilles. Oui. Alors, c'est deux oui. tendances, en oui. fait. Ouais. Deux tendances en fait, musicales qu'on est en train de vouloir proposer à notre public. Oui. Et aujourd'hui, ça dit que la différence est que, quelque part, le public qui va venir découvrir, nous allons présenter en fait au public qui va venir nous voir oui. les chansons qui vont venir prochainement. Oui. C'est à partir des concerts qu'on oui. peut savoir quelles sont en fait les approches que le public a. Oui. En les regardant et après en communiquant avec eux, en oui. parlant avec eux. Oui. Parce que c'est ça qui fait en fait raison d'être. Oui. Vous voyez. Et là, on va les proposer pour voir effectivement comment ils voient la musique qui va venir, les nouvelles sonorités des frères, les nouvelles chansons. Oui. Vous voyez, avec de nouveaux textes. Vous voyez.
qui peut coller, vous voyez, oui. qui peut coller au public sénégalais, qui peut coller à l'africain et aussi ceux qui ne parlent pas la langue, okay. qui puissent sentir quelque chose qui vient, en fait, qui vient. Pour venir même au festival. Voilà. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le festival Poussière, c'est 13 et 14. Oui. Hein? Oui. Et c'est un jeune festival qui est en train de prendre forme. Oui. Et nous, oui. ce qu'on est en train de faire, c'est de venir soutenir. Hein? Oui. Le 13, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes à la salle. Oui. La salle rose. Oui. Je parle un peu espagnol. Hein? Oui, oui. Ah oui, c'est ça, c'est vrai. Mais hablons beaucoup de espagnol. Oui. Ok. Vamos a plaire à la salle rosa, à la stress de Julio. Oui. Et nous invitons tout le monde et dire aux gens de prêter attention à ce festival parce que c'est un festival qui va grandir demain et ce n'est rien d'autre que l'expression culturelle de l'homme africain qui se déplace, qui est un transhumant comme ça, comme qui est un nomade, nous sommes tous des nomades. Oui. Et en un mot, la vie est belle. Ah, Djibril Guissé, merci beaucoup. Merci. On rappelle que vous êtes membre du groupe Les Frères Guissé. Merci beaucoup, merci. En tout cas, merci. On vous attend au conseil, voilà. Fabien, donc vous organisez la deuxième audition de Bal Poussière. Oui. C'est quoi Bal Poussière? Expliquez-nous un peu pour ceux qui ne le savent pas. Bal Poussière, c'est pour venir danser puis faire lever la poussière. C'est comme, je ne sais pas si tu te rappelles un peu quand on était plus jeune au Sénégal. Oui. Le sabbat, tu vois, où les femmes étaient en cercle et puis se vantaient de la qualité de la femme qui danse plus que l'autre, tu vois, puis il y a les hommes qui étaient là, qui jouaient le tam-tam, puis qui applaudissaient, oui. et puis ils rentraient à tour de rôle dans le cercle, puis ils ressortaient, puis martelaient la terre, tu oui. vois. Oui. Ça, c'est comme, c'est très traditionnel oui. comme concept. Puis à Montréal, je me suis dit, mais pourquoi ne pas comme faire revivre oui. ces moments de ces moments artistiques, oui. tu vois, où on oui. voit vraiment l'élégance de la femme, oui. puis toute la finesse oui. de la danse. Oui. Et que c'est ça, c'est juste cette, ce volet traditionnel là qu'on veut faire vivre ici à Montréal. Donc vous êtes à la deuxième édition, oui. ça va se passer à Sala Rosa. Parlez-nous un peu de la programmation. La programmation en fait c'est le week-end du 13 et du 14 oui. juillet oui. 2012. Oui. Fait que pour le premier show, on va avoir les Frères Guissé, oui. vous venez de voir tantôt, qui vont oui. jouer à la Sala Rosa. Oui. 48-42 dans ce moment, c'est là où on avait fait le Grand Sénégal. Oui. Donc il va avoir les Frères Guissé, on a aussi Bamba, un jeune artiste qui est présentement à Montréal puis qui oui. travaille oui. fort. Et puis, c'est là la surprise, je ne sais pas si c'est une surprise, parce que là je m'avais rencontré Didier Awadi. Didier, ok. Ok, fait que si c'est concrétisé, Didier Awadi va s'ajouter à la programmation c'est bon à la Sala Rosa le vendredi. Oui. Alors le samedi, on commence à 15h, ici, oui. dans le parc François Perron, c'est okay. à 2 minutes du métro Saint-Michel. Donc c'est ici la place, parce que je vis dans Saint-Michel, et puis Saint-Michel célèbre ses 100 ans. Cette année, on fait le centenaire de Saint-Michel. Oui. Alors il va y avoir des amusements, il va y avoir des kiosques, de l'artisanat, il va y avoir de la nourriture, comme le concept Sénébal. Okay. Mais cette fois-ci, à l'extérieur, on est en été, oui. et il va y avoir, donc, l'été, oui. cette fois-ci, on va y aller avec le Tchad. Oui. L'été va faire le concert clôture, oui. la fin. Mais entre et l'été, puis ce qui va se passer, il va y avoir un clown, il va y avoir, avoir de la peinture, il va y avoir des marionnettes, oui. plein de choses. Oui. Donc les enfants sont vraiment privilégiés le 14. Donc oui. c'est un événement familial. Oui. Donc ça va se passer ici. Donc c'est ça la programmation du week-end. Et le contact, les contacts pour l'information supplémentaire, les billets Écoutez, il n'y a pas de prévente cette fois-ci. Il n'y a pas de prévente. Okay. Et puis c'est juste la journée du vendredi 13, oui. qui est une journée payante bien sûr pour la soirée. Oui. Sinon, le lendemain, le samedi, c'est gratuit. Okay. Alors, il y a le site des productions débrouillard, bien sûr, www.lesproductionsdébrouillard.net. Okay. Il y a le Facebook des productions débrouillard. Okay. Il y a le Facebook de Pat Dion. Okay. Et il y a le numéro de téléphone, le okay. 514-376-9449. Okay. Ça, c'est le numéro des productions débrouillard, 514-376-9449. Pat Dion, merci beaucoup. Merci beaucoup, Diouf. Merci. Et puis, bravo pour le travail de Montréal Africain. Merci bien, merci, merci. Ok, nous vous présentons le festival Bal Poussière de Montréal. C'est avec les productions Débrouillard. Le vendredi 13 juillet à 20h30, les Frères Guissé à la salle Rosa. Donc c'est au 48 boulevard Saint-Laurent à Montréal. Le samedi 14 juillet au parc François Perrault, Saint-Michel, c'est gratuit, amusement, kiosque, alimentation, musique. Donc musique traditionnelle du Québec avec la partie de Kate. Spectacle de savoir percussion sénégalaise. Venez alors à ne pas rater. On vous invite tous. Voilà.
Bravo.